Aujourd'hui, l'émission change de nom. Elle s'appellera What the Cut. Sérieux? Non. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Ah! Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du Gaming de 20h, dans lequel on va parler de trucs. Wow. 1. Nintendo Labo. Alors, vous, si vous ne savez peut-être pas ce que c'est que Nintendo Labo, parce que il y a de moins en moins de monde dans ce collège qui en ont quelque chose à faire de Nintendo. Donc, Nintendo Labo, c'est un jeu dont le contenu est aussi sensiblement incroyable qu'un vieux carton vide. C'est bon, vous avez compris? Plus sérieusement, il s'agit d'un jeu où on fabrique des objets en carton, comme l'a dit notre cher ami Michel. Et on joue avec sur l'écran, pim pam pim pam boum. Un concept plutôt sympa sur lequel je peux dire... Excusez-moi. Pas le temps, Smash Bros Switch a été annoncé. A few moments later... Bon, salut à tous, c'est Joshua du montage. Tout ça pour dire que le moment qui va suivre est une imitation ratée de Jean-Pierre Pernaut, donc c'est pas ma faute. Lamentable. Bon visionnage. Et c'est une déception pour les fans de Nintendo qui attendaient impatiemment des infos sur Animal Crossing, de Metroid Prime 4, Bayonetta 3, et c'est donc après ce meurtre horrible de 3 personnes que Nintendo a décidé de mettre 24 minutes de Smash Bros sur 45, un record jusque-là jamais battu dans le but de camoufler son crime morbide après avoir mis 10 secondes de teaser Fire Emblem, dans le but de limiter la surmédiatisation après un quatrième meurtre. L'auteur vous signale également qu'il écrit ce script à l'arrache et qu'il fait une mauvaise imitation de Jean-Pierre Pernaut. 3. Les configs PC. Bon, je pense que c'est plus un secret pour personne. Maintenant, une configuration PC, c'est vachement cher. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous conseiller la vidéo de Jean-Baptiste Chau sur le sujet. Et aussi pour vous donner un setup pas trop cher et valable... assez longtemps. 750. Euros, c'est quand même un peu cher. Si tu veux te plaindre, va voir les mineurs de bitcoins et dis-leur à quoi ça sert une carte graphique, parce que Mère Simpson, il sait pas ce que c'est qu'une carte graphique. Bon, en vrai, ce qu'il dit, c'est actuellement très intéressant parce qu'il est difficile de se faire un PC digne de ce nom sans avoir à casser le cochon bien bien fort. Mais bon, là je pars dans les détails et bon, vu que je suis pas un pro, et ben je préfère vous laisser aller voir pour vous-même parce que je suis aussi un gros glandu et que j'ai pas forcément envie de vous expliquer. YouTube est votre ami, ok ? 4. Le cas Fortnite. La mode, c'est fini et c'est pour ça qu'on en parle. Donc synthèse, c'est la daube. Et voilà, c'est fini et n'oubliez pas de lâcher un bon gros fauteuil bleu! Ah, là tu le vois ton fauteuil bleu, hein? Hein, là tu le vois? Hein, Mathis, dis-moi que tu le vois, hein? Quelqu'un a vu Octopus Traveler? Non.